Dieudonné, qui est un antiraciste authentique. Je dirais antiraciste intrinsèque, parce que c'est un métis. Donc il est antiraciste dans sa chair, puisqu'il est le fruit d'un métissage d'un noir et d'un blanc. Donc il est antiraciste intrinsèquement. Hein. Et que tout son combat politique a toujours été de lutter contre le racisme. D'abord contre ce qu'il avait été identifié contre le racisme français du Front National. Hein. Et après, en prolongeant son antiracisme là où c'est nécessaire, en se positionnant courageusement contre les colons voilà, de la bande de Gaza. Hein, voilà. Et c'est à partir de là que toute sa diabolisation a été mise en place, non pas par le peuple de France qui est un spectateur, ou même par la République, c'est faux, puisqu'il a gagné 30 procès sur 32, mais par la communauté organisée qui se sert de tous ses bras armés pour effectivement châtier les gens qui pointent du doigt leur illégitimité pour incarner l'égalitarisme républicain, la laïcité, l'antiracisme. Hein, voilà. Ça, c'est une démonstration très très claire. Et là, on arrive au bout de cette contradiction. C'est qu'on a un Dieudonné qui est un combattant antiraciste métis comique, qui combat toujours contre le racisme, et qui se fait persécuter par une officine communautaire qui ne représente personne, mais qui a un poids démesuré sur la République. Et on a pu le vérifier concrètement, c'est que quand Dieudonné est passé récemment à Lyon, malgré le boycott intégral de la communauté organisée, hein, et non pas de la République, c'est interdit de médias et de publicité, ce qui n'est que la preuve d'une domination communautaire, hein, il a rempli sans aucune publicité, et malgré sa diabolisation, une salle de 3500 personnes à Lyon. C'est-à-dire que c'est le plus gros vendeur de France de billets de spectacle vivant. Hein. Et devant cette salle de 3500 personnes, il y avait à l'appel de la LICRA, 4 militants de la LICRA, pour dénoncer Dieudonné comme ignoble raciste.